Journal du docteur Manhattan, septembre 2357. 252e jour à bord de l'USS Orpheus. Rapport de situation. À la suite d'un rayonnement gamma, nos systèmes de navigation et de communication ont été légèrement endommagés. Les réparations sont une réussite et la communication est désormais rétablie. Je quitte le secteur martien et me dirige conformément à la mission vers Pluton. Rappel de mission. Depuis sa collision avec un astéroïde il y a 3 ans, Pluton dévide son orbite, mettant en danger notre système solaire. Les effets sur la Terre sont dévastateurs. Nous viendrons y déposer une charge explosive et nous confirmerons sa destruction. Nous sommes la mission de la dernière chance. Le vaisseau est calibré sur la trajectoire optimale et je vais pouvoir rentrer en hypersommeil jusqu'à mon arrivée dans le secteur plutonien. Je laisse les commandes à Virgile le temps de l'inactivité. Docteur Manhattan pour centre d'opération. Terminé. Virgile ? Oui, Sydney ? Qu'est-ce qui va se passer si j'échoue ? Nous saurons appréhender chaque étape du voyage, en temps et en heure. Mais si je me réveille pas, l'hypersommeil ? Vous vous réveillerez, Sydney. C'est une longue nuit, rien de plus. Une longue nuit, hein. C'est rassurant. Je sens de l'appréhension dans votre voix. Voulez-vous un sédatif ? Non. Ça va. J'ai pas peur. Le caisson est prêt, Sydney. Merci, Virgile. Rappelle-moi combien de temps pour arriver jusqu'à la cible. Environ 9 années terriennes. 9 ans. Un peu plus si nous contournons les hominides. La mission est trop importante pour prendre le moindre risque. Contourne-les. Bien, Sydney. Tout se passera bien, Sydney. J'aime pas du tout cette étape. Je sais, Sydney, mais elle est nécessaire. J'aime pas l'idée d'être enfermée dans une boîte. Ça ressemble à un cercueil. Ayez confiance, je m'occupe de tout. Vous allez vous endormir rapidement. Je suis à vos côtés.
Bonjour, Sydney. Comment vous sentez-vous? Ça va. Tu me fais un rapport, s'il te plaît? 2987e jour à bord. Nous quittons le système neptunien. Neptunien? Pourquoi tu m'as réveillé si tôt? Nous approchons de Pluton, mais une anomalie magnétique a endommagé certaines fonctionnalités du vaisseau. Une anomalie? T'en as informé la base? La communication avec la Terre a été coupée. J'analyse actuellement les possibilités de reconnexion. Mais pour le moment, nous sommes seuls. Putain, on a encore perdu la connexion avec la Terre. On continue d'essayer de ton côté, moi je tente un truc. J'ai besoin de me reconnecter avec eux. Bien, Sydney. Ouais, qu'est-ce que tu me fais, là? C'est peut-être le cœur, Virgile, je vais voir. Alors, Orpheus, qu'est-ce qui t'arrive? Allez, trésor, fais un effort. Journal du docteur Manhattan, jour 3119. Plusieurs jours ont passé et malgré toutes mes tentatives, je ne parviens pas à rétablir le contact avec la Terre. Tous mes espoirs reposent sur Virgile désormais. Fin de la transmission. Tu te rends compte? Ça fait déjà 8 ans qu'on est parti, j'ai l'impression que c'était hier que tout est... Je pense que le temps ne compte pas. Il y a un auteur qui disait que l'important c'est le voyage, pas la destination. Tu te transformes en philosophe toi maintenant? J'essaie seulement de rendre votre voyage plus agréable. Heureusement que t'es là. Je sais pas comment je le ferais sans toi. À votre service, je suis, Sydney. Moque-toi. En attendant faire cette mission, je crois que c'est la chose la plus difficile que j'ai eu à faire jusqu'à aujourd'hui. Je pensais qu'être seule serait un avantage, mais... c'est beaucoup plus compliqué. Vous étiez la seule qualifiée pour cette mission. J'ai confiance en vous, Sydney. Ouais, bah tu devrais peut-être pas. Tout se passera bien, Sydney. Si tu le dis. On en est où de la reconnexion avec la Terre? Aucun changement, Sydney. Alors c'est toi et moi, Virgile. On est tout seul sur ce coup-là. Des nouvelles de la Terre, Virgile? Nous ne progressons pas beaucoup, Sydney. Je pense qu'il nous faut plus de temps. J'ai pas plus de temps. J'ai besoin de solutions. Je sais. Nous y travaillons. Si tu le dis. Thank you.
Docteur Manhattan, jour 3122. Nous n'avons toujours pas rétabli le contact avec la Terre. Je commence à m'inquiéter du silence et du manque de directive. Nous sommes bien rentrés dans le secteur plutonien. La cible est encore loin, mais les difficultés commencent à arriver. J'ai besoin de parler avec mes supérieurs de la mission, sinon je vais devoir prendre les décisions seul et c'est une lourde responsabilité. Je sais ce que je dois faire. Aller au bout. Et je laisserai pas tomber. Mais j'ai peur. Je m'en vais combattre l'enfer et je suis seule. Je veux juste être sûre que... Ça va aller. Je vais y arriver. Fin de la transmission. Sydney, je suis désolé d'entendre que vous vous sentez seule. Je fais mon maximum pour vous reconnecter. Je sais. Je commence à être à court d'idées, là. Vous n'êtes pas seule, Sydney. Je suis avec vous. J'ai confiance en vous. Tu connais l'enjeu. Si je vais pas au bout de cette mission, c'est la fin. Je peux pas laisser tomber. Nous continuerons d'avancer. Mais il faut peut-être envisager le fait que nous n'irons pas jusqu'au bout. Je renonce pas, Virgile. Tout ceci n'est qu'une théorie. Les possibilités que Pluton soit la cause des perturbations... Non ! Non. Non. Virgile. J'ai étudié toutes les alternatives en long, en large, en travers. Ça, c'est mon job. Et je vais aller déposer cette charge sur cette planète, avec ou sans ton aide, d'accord ? Sydney, je sens un caractère obsessionnel dans votre argumentation. Un caractère obsessionnel ? Si vouloir éviter une mort imminente, c'est être obsessionnel, alors oui, ouais. Je suis obsédée par cette mission. J'essaie seulement de vous aider, Sydney. Nous nous approchons de notre destination, et je veux être sûre que vous gardiez le contrôle de la situation. Le contrôle de la situation. Tu te fous de moi? J'ai sacrifié 8 ans de ma vie pour cette mission, d'accord? Toi, t'es même pas capable de reconnecter à la Terre. Nos systèmes de navigation, ils sont en rade. Je suis seule ici, je suis seule. J'ai pas d'aide, à part une IA à la con qui nous laisse errer dans l'espace sans aucune garantie de succès. Et tu me parles de contrôle de situation. Il reste toujours l'option de faire demi-tour. De retourner sur Terre. Virgile! Virgile, je renonce pas. Tu renonces pas. Personne ne renonce. Même si cela vous met en danger. Virgile, tu sais pas ce que j'ai laissé derrière moi pour cette mission. Si je vais pas au bout, je vais continuer à errer pour toujours. Et si on ne revenait pas de ce voyage? C'est que c'était écrit comme ça. Je pense que ce serait une bonne idée. Bon, Virgile, stop. Désactive-toi. Virgile, c'est toi. Virgile, c'est quoi cette voix? Je connais cette voix. Virgile, réponds-moi, c'est quoi cette voix? Danger. Entrée dans le champ astéroïde. Impact imminent. Qu'est-ce qui se passe? Virgile, qu'est-ce qui se passe? Connerie, connerie, Virgile, fais-moi un rapport de situation. Virgile, oh, me laisse pas toute seule. Sydney. T'étais où? Déconnecté, comme vous me l'aviez demandé, Sydney. Aide-moi
sortir de ce merdier là, je suis perdue. Calcul en cours. Allez, Virgile, plus vite. Trajectoire identifiée à 76%. Dépêche-toi. Impact imminent. Trajectoire identifiée. Risque d'impact avec les Eumenides. Demande confirmation de pilotage. Confirmation. Sortie des Eumenides confirmée. Virgile, fais-moi un rapport. L'impact a détérioré le vaisseau à 37%. Quelle partie est touchée? La réserve d'oxygène, Sydney. Quelle quantité? 45% de ce qu'il nous restait. Et il y a un autre problème. Quoi? Un champ magnétique entourant Pluton brouille notre système de navigation. Nous avançons à l'aveugle. Chance de survie si maintien de la mission, 2%. Nous n'avons plus assez d'oxygène à bord pour déposer la charge et rentrer sur Terre, Sydney. Nous devrions rebrousser chemin tant qu'il est encore temps. Si c'est l'oxygène le problème, alors tu continues, je comptais pas revenir. Si nous vous mettons en hypersommeil, nous pourrons vous ramener sur Terre, Sydney. Mais si nous continuons, nous devrons mettre le vaisseau en pilotage automatique. Et si le champ magnétique devient trop fort, nous allons nous perdre sans possibilité ni de déposer la charge, ni de rentrer. C'est un pari trop risqué, Sydney. Tout ça pour rien. Tout ce chemin. Vous êtes le commandant de ce vaisseau, Sydney. C'est votre décision. Mais je pense qu'il est temps de renoncer. Je suis pas prête, Virgile. Je peux pas faire ça. Nous n'avons plus le choix. C'est du suicide. Non. Non, Virgile, je peux pas abandonner. Je peux pas abandonner ça. C'est tant d'années de recherche. Je peux pas. Il faut qu'on se concentre. On va y arriver. D'autres recherches méritent votre attention. Mais c'est celle-là qui compte. C'est celle-là que je dois faire. C'est vous qui êtes importante, Sylvie. Votre travail. Ne vous laissez pas emporter. J'ai appelé mon vaisseau Orpheus, Virgile. Non, Sydney. Je ne crois pas. C'est dans la mythologie grecque. Orphée était le plus grand poète de son temps. Il épouse Eurydice qu'il aime plus que tout au monde. Mais elle meurt quelque temps après d'une morsure de serpent. Orphée décide alors d'aller la chercher aux enfers. Hadès, dieu des morts, l'autorise à ramener Eurydice dans le royaume des vivants. À la seule condition qu'elle ne se retourne pas, tant qu'elle n'a pas atteint la rive ni la lumière du soleil. Elle le suit dans la pénombre. Et lorsqu'ils arrivent près du but, Orphée n'entend plus les pas de sa femme. Alors il se retourne et la perd à jamais. Jusqu'au bout, Orphée aurait pu la sauver, la ramener, mais il a failli. C'est pour ça que j'ai appelé mon vaisseau Orpheus, comme un avertissement. Ne jamais lâcher prise, pas même face à l'apocalypse. Pourquoi me parlez-vous de ça, Sydney? On sait absolument rien. Sydney, êtes-vous prête à rentrer? La probabilité de réussir cette mission? 0%, Sydney. Lâcher prise, Sydney. Rentrons. Il est temps de vous réveiller, Sydney. Quoi? L'important, c'est le voyage, pas la destination. Le processus fut long, mais était nécessaire. Vous avez réussi. Virgile, je comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez comprendre, Sydney. Vous êtes en train de vous reconnecter à la réalité.
revenez vers moi. Quelle vérité, quoi. À trois, vous vous réveillerez et vous vous sentirez mieux. Un. Deux. Trois. Vous êtes en sécurité. Vous êtes sur Terre, dans mon bureau. Je suis votre psychologue, Docteur Virgile Pinel. On a pris la décision, ensemble, de vous faire essayer la thérapie par réalité virtuelle. C'est le seul moyen pour que vous avanciez enfin. Non, je suis en train de rêver. Je suis astronaute, je suis en mission. Rien de tout cela n'était réel, Sydney. Vous êtes créé un monde pour affronter votre réalité. Votre vaisseau, votre mission, tout ça c'est le fruit de votre imagination. C'est comme un rêve éveillé. Ça fait partie du processus. Quel processus? Le deuil, Sydney. Acceptez qu'on ne peut pas tuer la mort. Laissez partir votre époux. Réalisez que son départ est définitif. Vous avez imaginé un endroit où il fallait détruire Pluton pour sauver votre monde. Votre monde, Sydney. Analysez cette mission. Aucun contact avec la Terre, sauf moi, votre vaisseau. Votre vaisseau, Sydney. Vous m'avez imaginé comme le véhicule de votre esprit. Votre médecin. Non, je suis astronaute. Non, Sydney, vous êtes journaliste. Depuis toute petite, vous êtes passionnée d'astronomie. Vous en discutiez beaucoup avec lui. Comme de la mythologie grecque et romaine. Mais vous êtes journaliste. Mais je suis en mission. Détruire Pluton parce qu'elle est sortie de son orbite. Une astronaute, seule, sans connaissance, pour sauver la Terre. Vous voyez bien qu'il n'y a rien de rationnel dans cette histoire. Alors tout était faux? Non, tout est vrai. C'est votre réalité, c'est votre traitement. Vous êtes venu à moi pour aller mieux. La VR a été très efficace. Et vous êtes montré très réceptive. Donc je suis allé jusqu'au bout du chemin avec vous. Mais là, il est temps de redescendre sur Terre. De quitter votre vaisseau. Je me souviens maintenant. C'était lui. On n'a pas tous les mêmes réactions face à la douleur. Il y a certaines personnes, comme vous, qui ont besoin d'un traitement spécial pour s'y confronter. Par contre, il y a quelque chose qui m'a marqué dans votre histoire. Représenter la mort de votre mari par le mythe d'Orphée, détruire une planète naine qui a le même nom que le dieu des enfers, c'est vraiment la première fois que je vois quelqu'un qui transpose son histoire d'une manière si fantasmée. Il est vraiment parti alors ? Il est sur son propre vaisseau, Sydney. Le vôtre doit revenir.
Et t'en penses à vous.